Bonjour tout le monde. Et oui, ça fait très longtemps que vous n'avez pas dû voir mon visage. Nous sommes, en mars 2019. Je suis dans ma ville préférée, celle où je me ressource, où je suis bien, Aix-en-Provence. Donc je vais aller, j'ai une heure et demie de marche pour aller filmer. Je vais aller filmer avec mon nouveau matériel. Le lever du soleil sur Sainte-Victoire et aussi filmer plusieurs exercices que j'ai appris, perfectionnés, mais aussi à l'expliquer. Comme ça, si vous avez des questions ou de revoir des choses ou que je redétaille, ben je suis tout à fait prêt à le faire. Donc en disant... Pour l'instant, on va dire que beaucoup de personnes, enfin plusieurs personnes le visionnent. Je suis assez content. On est presque à 1000 minutes de visionnage sur quelques mois. Je dirais presque un petit trimestre. C'est quand même très sympathique. Donc je vous remercie beaucoup. Je marche tout doucement. Il fait une température assez fraîche. Là, à cette heure-là, il est quoi, presque 6 heures du matin. Il y a le nettoyage des rues, préparation, à mon avis, du marché. Bah, comme on commence à être vers le printemps ici, il y a un peu d'estival, il y a eu aussi un petit peu de fête. Mais c'est surtout que moi, je vais parler en plus calmement. Vous savez, les intégrations, j'étais assez pas bien, beaucoup d'entretiens avec Nicolas. Et là, j'en redécoupe d'autres, hein, qui est beaucoup plus soft, enfin plutôt... calme de ma part. Là, il y a un calme qui est de plus en plus. Encore des points énergétiques et même des points au fond de moi-même à régler. Alors certains vont dire peut-être voir un psychiatre, un psychologue. Bon, ça, je vous le dis, c'est déjà fait. J'en ai deux, enfin un de chaque. Ça se passe très très bien. Je discute. Je fais le point, j'ai même fait le point avec des prêtres aussi pour discuter sur ces choses-là, car je suis fervent croyant, pratiquant, mais c'est mon propre choix, c'est pas le cas de tout le monde. D'autres ont d'autres religions, d'autres visions, sont athées, d'autres croyances aussi, d'autres philosophies. L'énergie n'a pas de, comment dire, d'étiquette. Surtout quand je prône l'énergie universelle, c'est-à-dire celle de tout l'univers, c'est-à-dire peu importe ce qu'il nous galvanise, c'est le résultat, c'est ce qu'il y a. Et dans tous les cas, nous sommes tous des mortels, humains, et on a tous nos choix, nos croyances. Voilà, moi j'ai les miennes, j'ai aussi besoin d'être rassuré, mais aussi de parler. Ça, je suis pipelette, je peux vous le dire, ceux qui me connaissent non-stop. Je vais y aller tranquillement, pour vous dire que là, le bien, il y a le marché qui s'installe. J'ai vu des choses, là, il y a énormément de passages et d'organisations à Aix-en-Provence. Une ville carrément extraordinaire, parce que vous avez tous les prix. Vous avez plein de types modernes, aussi gallo-romaines, qui ont été préservés, qui sont toujours là, un lieu spirituel, culturel, physique, pour moi aussi, parce que c'est aussi de la marche, de la technique, de sport, pour ceux qui veulent dépenser ce qu'il faut aussi, pays des Santons, pays de Cézanne, pays de Van Gogh, pays de tout, pays de beaucoup de choses. Pour moi, dites, c'est une petite ville, non, c'est immense sur plein de choses. Donc je vous dis à très bientôt à la suite de tout ça, et je le mettrai peut-être cette petite bande aussi en introduction, faire des mix avec d'autres choses en complément avec mes vidéos. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Donc voici donc le chemin de Bibémus, là c'est avec mon téléphone où je filme. Il est 6h, à mon avis 6h15, 6h20 passé. C'est... Le lever du jour se fait petit à petit, timidement. Voilà, j'évite de trop bouger. Voilà, puissiez voir, c'est magnifique. Donc je vais tourner
tout doucement, voilà. Voilà, tout doucement. Voilà, et je viens de là. Et puis là, c'est... Et non, je ne fume pas, je respire. C'est l'air chaud de ma poitrine avec l'air froid de Sainte-Victoire et Aix-en-Provence. Voilà, premier week-end du carême pour ceux qui veulent essayer de chercher. Quand est-ce que c'est? Voilà, où j'ai passé un très bon moment hier soir à la cathédrale. Et je continuerai ce soir à 18h et demain soir aussi vers la même heure pour après rentrer ailleurs et faire d'autres choses. Car cette semaine, ces deux dernières semaines, là, ça a été assez rude. Rude sur le niveau énergétique parce que, bah, avec Nicolas, j'ai fait pratiquement toute la semaine en énergie avec lui, soins, apprentissage, monter en vibration, gérer les taux, gérer les corps, gérer beaucoup de choses. Ce qui a fait que ça a provoqué une montée, moi aussi, en vibration et en taux, donc des intégrations spirituelles, mais avec encore beaucoup de choses non prévues, une intensité incroyable, des émotions incontrôlées, émotionnelles fortes, puisque je pensais très fort à une personne et je lui ai déclaré mes sentiments pour elle parce que je ne pouvais plus, je n'arrivais plus à gérer. Donc je lui ai expliqué pourquoi j'avais ce souci de communication, ce qui après il n'y a plus du tout eu de communication. J'ai aussi géré formation de 3 jours qui aurait dû, vu le niveau et le nombre de personnes, se faire en 4 ou 5 jours. Mais j'ai géré, j'ai réussi. Et les félicitations, comme dirait l'autre du jury, du client et du centre de formation, enfin de l'organisme de formation. J'ai aussi rebondi sur plein de choses administratives, financières, sociales, perso. Voilà. Plein de choses. Donc je ne bouge plus, je vous laisse admirer. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Et je continuerai plus tard. J'assemblerai tout ça tranquillement. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, j'ai enregistré tout à l'heure, avant qu'une voiture arrive, c'est-à-dire presque 2 minutes, de ce chant mélodieux du matin de ces oiseaux, comme si nous étions déjà à l'approche du printemps. Et c'est le cas. Il fait quand même 2 degrés, hein, je vous dis, enfin 3 degrés ressenti 2.
L'air est sec, je peux vous dire, et frais. Je suis bien équipé, avec des couches que j'enlèverai petit à petit dans la journée. Là, je vais passer 4 ou 5 heures à peu près dans le massif, avant qu'à mon avis qu'il y ait du monde, pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire de façon tranquille, calme, sereine. Puis après, de profiter de la ville, de profiter de plein de choses. Je vous embrasse et à plus tard.